Hello, hello tout le monde, comment allez-vous les amis? C'est Frit et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Poppy Playtime. Vous voulez toujours plus de Poppy, toujours plus de choses assez what the fuck? Et bah écoutez, j'ai ce qu'il vous faut aujourd'hui. Vous avez vraiment apprécié la dernière fois pour ceux qui avaient visionné la vidéo, le mode avec Thomas le train. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, absolument vous allez le voir parce que c'était très différent de ce qu'on pouvait avoir habituellement. La façon de se déplacer, bref, ça n'avait aucun sens. Et bah écoutez, je pense que j'ai un mode plus ou moins dans le même délire, un mode vraiment qui va pas nous faire peur mais qui va nous faire rigoler pour le coup. Je vais pas vous dire quel personnage c'est tant qu'on ne l'a pas vu ensemble, mais en tout cas ça risque d'être drôle. Là je pense que niveau transformation du Giboogie, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Bref, du coup bah, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes prêts les amis pour cette nouvelle vidéo. Si oui, on perd pas de temps et on balance l'intro, let's go. Vous savez quoi, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je suis pas venu sur Poppy, parce qu'avec le réveillon de Noël, tout ça, ça fait un moment quand même que j'avais pas tourné une petite vidéo de Poppy. Du coup, ça me fait très plaisir. C'est limite, ouais bon, non, peut-être pas non plus. C'est limite, s'ils mettent la cassette vidéo, ça m'a manqué. Mais non, il faut quand même pas déconner. Je pense que là, avant que ça manque, il faudrait que je joue plus pendant 3 mois. Ok, regardez ce que j'ai devant moi, les amis. J'ai le fameux Grappack, du coup, voir dès maintenant. Pour tous ceux qui se demandaient, mais Frit, c'est quoi le mode d'aujourd'hui? Minute, papillon, tu vas voir ce que c'est comme mode, tu vas voir, enfin s'il fonctionne déjà, et ça c'est toujours mon petit stress, c'est est-ce que le mode va fonctionner ou est-ce qu'il va pas fonctionner? Bah nous allons vérifier ça ensemble, directement, mesdames, messieurs, attention, nous avons devant nous le nouveau Yugi Wugi du jour, et oh putain je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme, mais il est énorme, il est vraiment énorme par contre, je pensais qu'il allait être tout petit, mais pas du tout, la dernière fois on avait un Thomas le train tout petit, et bah là nous avons, pour ceux qui ont reconnu, c'est Jake de Adventure Time, ce chien à la tête plutôt marrante, quoique il fait quand même flipper je trouve en vrai, ses yeux blancs comme ça là, ça m'effraie un peu, je sais pas vous, mais je sais pas, ça me rend mal à l'aise genre, je sais pas comment vous expliquer, mais il est énorme, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand, donc je pense que ça risque d'être très drôle de le voir se déplacer et tout, surtout dans les conduits à la fin, je pense que ça va vraiment être très marrant. Donc ouais, aujourd'hui Yugi Wugi a été remplacé par Jake, qui au premier abord a l'air inoffensif, mais regardez ses grosses dents, t'inquiète pas qu'il risque de s'en servir tout à l'heure, ça va être drôle et à la fois effrayant genre, je pensais que ça allait juste être drôle, mais il me fait un peu peur quand même le frérot. Écoute hein, let's go, hop, petite musique, du coup bah vous connaissez la chanson, ça fait peut-être longtemps que je ne l'ai pas fait, mais on n'oublie pas, ah bah non bah tu vois voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, du coup bah j'en oublie, attends on la voit pas la clé, elle est camouflée dans son corps genre c'est n'importe quoi, ok j'ai réussi à la voir, du coup ouais vous connaissez la chanson les amis, je vais m'occuper de l'étape du courant, let's go c'est la fin de Drake, seulement pour un petit instant hein, bien évidemment, nous allons le retrouver directement ici en espérant qu'on va avoir le corps entier de Jake et non pas juste son bras, alors mon petit Jake, what the fuck. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, j'ai l'impression que là, cette fois-ci, on n'a pas que le bras, on a quand même des jambes. Mais Jake, qu'est-ce qui s'est passé avec toi là? Je comprends pas. On ne le reconnaît même plus. Mais attends, attends, c'est quoi ça? Mais what? Alors, il y en a qui verront peut-être dollars hein, face à ça. Mais c'est extrêmement flippant. Surtout que j'ai vu. Genre là, tu vois, j'ai cru voir sa bouche à un moment donné. Attends, où est-ce qu'elle est, qu est bah, j'ai certainement rêvé, mais je pensais avoir vu sa bouche quelque part. Et bah écoutez, très bizarre, hein, cette version de Jake est très bizarre, assez effrayante, même si on comprend pas trop ce que c'est. Et là, on a son bras qui dépasse, dirait clairement du slime. Allez hop, petit check. Et nous allons le faire disparaître, il est temps de partir mon ami, let's go. Mais on va le retrouver bientôt, vous inquiétez pas, il n'a disparu que pour un court instant. Ok, je vais devoir m'occuper comme d'habitude des petites piles, en espérant qu'elles soient faciles à trouver aujourd'hui. Hein, parce que des fois, c'est une galère, vous vous rendez pas. Et des fois c'est une galère de les trouver les piles en vrai hein. Bah déjà, oh non ça va, franchement aujourd'hui ils ont été réglés, regarde, il y en a une ici, il y en a une juste là-haut, on peut hop directement prendre avec le bras, et il doit y en avoir encore une dernière ou ça, voilà, voilà. Franchement aujourd'hui c'était simple, vraiment c'était super simple. Sésame ouvre-toi, et nous allons voir, mais ce sera Yugi Wugi, on en est sûr à certains. Je demande quand même une petite vérification, je demande l'avare, et bah c'est bien Yugi Wugi effectivement, tiens hop tu mérites une claque dans l'œil. Pourquoi dans l'œil? Me demandez pas pourquoi, écoutez, il le mérite de toute façon. Ok du coup c'est parti. Nous allons mettre les petites piles et dire au revoir à Yugi. Salut mon gars. Ça faisait longtemps en vrai, donc ça me dérange pas de l'avoir vu. Voilà, au moins on voit le petit Yugi Wugi pour aujourd'hui, ça fait plaisir. Bah maintenant, bah, on va se retrouver directement dans la salle de création de jouets pour avoir le fameux Jake méchant qu'on attend avec grande impatience. Ou pas en fait, je sais pas finalement. Ok les petits beaux gosses, j'ai récupéré le 4B. Il m'a fait attendre très longtemps, mais ça va, je l'aime bien. Donc je lui pardonne à chaque fois. Mais là, il est temps. Il est temps de rencontrer le très grand même, parce que voilà, il est très grand quand même le Jake, il est vraiment gigantesque, avec ses grandes jambes là, on dirait des ficellos. Comment tu vas mon gars? La forme ou pas? Attends, on se prend le streamer. On n'a rien vu.
on a rien vu du tout. Il m'a mis son gros ventre en pleine tête. On n'a rien vu du tout. Alors là, le streamer, pour le coup, ça va, il fait pas peur. Il y a juste le son qui fait peur, mais sinon, lui, ça va. Franchement, il fait pas peur du tout. On va ressortir le petit frérot, là, bien évidemment. Parce que j'en ai pas fini avec lui, là. Il me regarde d'un air vraiment très, très, très bizarre. Hein. Là, clairement, il veut me grailler. Regarde, il a déjà sa bouche grande ouverte. Il est prêt à me croquer à la moindre occasion. N'est-ce pas, Jake? Ouais, fais pas le malin avec moi, là. Tu ne gagneras pas cette battle de regard. C'est moi qui te le dis. En tout cas, il est vraiment très drôle. Hein. Genre, ses jambes, là, ça me fume. Ses jambes et ses bras, au final. Hein. Et ses oreilles, là, comme ça, là. Il est assez bien réalisé. Il a un petit côté flippant en plus. Donc, en vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Vous savez, les amis, un Jake c'est bien, mais plusieurs. Merde, attends, je les ai tués sans faire exprès. Et plusieurs Jake c'est mieux, eh oui. Plus de Jake égale plus de fun, égale plus de kiff, tout simplement. Regardez-moi ça, ces petits soldats, enfin ces grands soldats. Imagine avoir une armée de Jake devant toi là, qu'est-ce que tu ferais? T'avais en face de toi une armée comme ça de Jake. Ah bah, je pense qu'on se tirait tous dessus, hein. Jake ou pas Jake, clairement on se ferait dessus. Ah les gars, qu'est-ce que vous faites là? Oh là, ça crée des bugs très étranges. Voilà de quoi les rendre un petit peu moins grands, un peu moins effrayants aussi également, n'est-ce pas les gars? Ne forme qu'un, c'est magnifique. Il a 4 yeux, 4 oreilles, c'est incroyable. Par contre, comment il fait peur? Oh, de loin, il fait trop peur avec ses yeux vides comme ça là. Viens, viens, petit Jake, viens, viens, viens. C'est génial, ça me fume. En vrai, le mode est très très drôle, hein. Pour le coup, ça change un petit peu, tu vois, de ce qu'on a habituellement, d'avoir vraiment des trucs full effrayants. Là, vraiment, c'est très drôle, surtout en tout petit comme ça là. Bon, bah, c'est pas tout ça, les amis, hein. Mais il est temps d'aller voir le Jake dans les conduits. Est-ce qu'il sera également effrayant quand il est posté là? Ou est-ce que... Attends, il y a un petit problème là. Attends, pourquoi est-ce que... Attends, c'est son bras. Attends, je pensais qu'il avait une oreille de plus. Ça fait très bizarre, genre. Il est vachement plus petit par contre ici. Regardez les jambes, comment elles sont vachement moins grandes. Elles sont... Oh là, tu fais peur. Et c'est quoi cette tache là? Je préfère pas savoir ce que c'est, hein, parce que je commence déjà à avoir des idées bizarres. Je préfère pas savoir ce que c'est. Il y a juste qu'il s'est chié dessus, quoi, le frérot, quoi. Ah, tu fais la technique de la pendule, c'est ça, hein? Tu vas hypnotiser. Ça ne fonctionnera pas avec moi, c'est moi qui te le dis. Ça ne fonctionnera pas. Tiens, boum, je te mets une claque. Ah, il va s'en souvenir, hein. Il va se venger dans la course poursuite, là, clairement, il va se venger, c'est sûr. Oh, mais what, putain, je suis sorti sans faire exprès. Il y avait un Jake ici, là. Eh bah, écoutez, on est parti. Je suis prêt à affronter ce petit Jake des familles qui va nous terroriser durant cette course poursuite, c'est sûr. Attention, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Let's go! On est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas couru, ça me fait du bien, là. Après les repas de Noël et tout, il va falloir faire un petit peu de sport, là. Hop là! Non! Oh putain, j'ai eu peur, je pensais qu'il allait m'avoir. Je pensais que Jake allait m'avoir. Oh là 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 là. Il est si impressionnant. Ok, on descend ici. Attention, est-ce que là, Jake, il est là? Oui, il est là. Par contre, on va faire attention quand même, parce que là, je suis en train de jouer avec le feu de ouf. On va éviter de faire des conneries. Ok. Voilà, on va pouvoir le regarder un petit peu. Attends, il est vraiment tout près. Il me fait peur. On passe ici. Salut Jake, comment tu vas mon gars? Attention, hop là, il a pris la peine de nous faire un petit coucou. Parce que des fois, il y en a, ils passent, même pas ils nous regardent, tu vois. Ok, on va ici maintenant. Et là, c'est le moment du brain. D'ailleurs, on va le voir arriver là. Bah oui, on le voit. Ok, c'est de l'avoir. On va essayer de le faire bugger. Allez. Ok, c'est bon, on a réussi. Il nous regarde toujours, hein. Il veut vraiment pas nous lâcher du regard. C'est un truc de fou, hein. C'est pour ça qu'il est effrayant, en fait. C'est ses gros yeux, là. On dirait qu'il n'a pas d'âme, ce Jake. C'est clairement un zombie. Ça, c'est moi qui te le dis. C'est un fucking zombie. Salut, mon pote. T'as un petit peu de mal à te déplacer quand même, j'ai l'impression, hein. Allez, c'est parti. Il est temps d'achever ce Jake. Même s'il est drôle, même s'il est effrayant, il est temps d'en finir avec lui. Salut, mon pote. Sayonara, comme on dit. On se reverra de toute façon peut-être dans une autre vie ou dans une autre mort, je ne sais pas. Il a disparu dans le néant. Ils y ont tous droit, de toute façon ils finissent tous dans le néant. C'est parce qu'ils ont essayé de nous défier. Et ils ne devraient pas. Ils ne devraient clairement pas essayer de nous défier, on est trop forts. Beaucoup trop fort. Regardez-moi ce pauvre petit Jake qui était si bien avant, qui était si heureux. Et regardez comment est-ce qu'il a fini. Il a fini dans les airs, dans le vide infini, toujours avec son regard, toujours avec son pseudo sourire. Là, on dirait qu'il va taper dans un ballon de foot, genre qu'il va taper son meilleur but. C'est vraiment drôle, il est plus petit aussi ici. Au revoir Jake. Salut mon ami, c'était cool de t'avoir avec nous en tout cas pour aujourd'hui. Ok, bah vous savez ce qu'il nous reste à faire, hein. On ne peut point clôturer un mode sans aller faire un petit check à Poppy. Ça ne le mérite pas parce qu'elle ne change jamais, donc elle ne le mérite pas, mais par gentillesse et par politesse, on va quand même le faire. Hello Poppy, comment ça se passe? Est-ce que ça s'est bien passé le réveillon de Noël? Est-ce que tu pourrais me souhaiter un joyeuse fête s'il te plaît? D'accord, très bien, je vais me faire foutre. Eh bah écoutez les BG, vous savez ce que ça signifie? Le open mic case signifie la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. C'était vraiment cool de retourner sur le jeu, de découvrir un mode extrêmement drôle. Donc j'espère avoir pu vous faire kiffer avec ce nouveau mode. Si c'est le cas, bah n'hésite pas à me le montrer en mettant ton meilleur like, en commentant, en t'abonnant, en activant la cloche. Dans tous les cas, nous on se retrouve très vite. Et si jamais d'avance, joyeuse fête quand même, parce que le réveillon de nouvel an et tout ça, ça approche bientôt. Allez, des bisous les frites et à très vite. Ciao ciao.